Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce webinaire atelier des rencontres numériques. On s'est déjà retrouvé avec plusieurs de vous, je pense, les dernières 3 journées à Amiens, de lundi à mercredi, pour plein d'ateliers et d'échanges en présentiel. Et on continue aujourd'hui et demain en numérique. Aujourd'hui, c'est avec France Nature et Environnement et surtout Liliane Legoff qui animera cet atelier. Comment intégrer une politique publique nationale de santé en environnement au cœur des transitions. Donc, nous avons avec nous Liliane Legoff de la FNE, Pierre Souvet, Association Santé et Environnement France, et Gilles Pipien de Humanité et Biodiversité. Donc, Liliane, je vous donne la parole pour ouvrir cet atelier. Et peut-être juste une dernière information, tout le monde, si vous n'intervenez pas, merci de couper votre micro et votre caméra. Il y aura des temps d'échange, donc vous pouvez lever votre main à ce moment-là ou poser des questions à n'importe quel moment dans le chat. Merci et bon atelier. Très bien. Merci beaucoup, Katharina. Donc, c'est vous qui ferez suivre les diapos? C'est vous? D'accord. Très bien, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, nous serons trois à co-intervenir pour vous présenter ce gros dossier complètement novateur. En tout cas, il s'agit vraiment d'essuyer les plâtres et de poser des jalons pour intégrer au cœur des territoires la santé environnement. Et on voit à quel point ce sujet est d'actualité, ô combien, avec cette pandémie qui nous vient effectivement tel un effet boomerang des perturbations portées à la biodiversité. Mais au-delà des microbes, il existe bien d'autres méfaits portés à l'environnement et dont on bâtit, nous, humains. Et donc, il s'agit de faire de la prévention essentiellement par une politique adaptée de santé environnement. Donc, j'interviendrai pour France Nature Environnement. Je suis médecin à la retraite et je fais partie du directoire santé environnement de France Nature Environnement, qui est une fédération, en fait. C'est pas une association, elle fédère plus de 5000 associations de défense de l'environnement. Et j'aurai comme collègue mon confrère Pierre Souvet qui interviendra plus sur la formation, sur l'aspect formation, et Gilles Pipien que nous attendons qui lui développera la gouvernance. Donc tous ces sujets, je vais les mettre en perspective dans une présentation d'une dizaine de minutes. Donc quel est le contexte? Nous avons été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire sur l'évaluation des politiques publiques menées en santé et environnement, et son rapport insiste sur le fait, diapo numéro 1 s'il vous plaît, ou 2, enfin suivante en tout cas, et le rapport de cette commission d'enquête insistait beaucoup sur le fait que la santé et environnement, selon le concept d'une seule santé, qui est un concept onusien, nous y reviendrons, doit être une priorité pour le 21e siècle. Il s'agit d'intégrer la prévention sanitaire environnementale dans la gouvernance à tout niveau, depuis le national jusqu'à celle des territoires. Nous avons co-organisé avec nos collègues de l'Association Santé Environnement France, de Humanité et Biodiversité, mais aussi du Syndicat national des vétérinaires de France et la Fondation de la recherche sur la biodiversité, un colloque sur le thème « Une seule santé en pratique » qui comportait un atelier sur la territorialisation de la santé environnement. L'ensemble des travaux de ce colloque fait l'objet d'actes qui vont être prochainement publiés, mais aussi d'un cahier de préconisations qui a déjà été adressé à 6 ministères, celui de la transition écologique, celui de la solidarité et de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation, de la cohésion des territoires, le ministère de la transformation de la fonction publique et aussi le ministère de l'économie et des finances. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 6 principales préconisations résultant de ces travaux. Puis le docteur Souvet donc parlera plus de formation et Gilles Pipien de la gouvernance liée à ce dossier. Les principaux objectifs de ces préconisations sont les suivants. Concrétiser le concept « une seule santé » qui consiste à prendre en compte l'interdépendance, c'est un mot-clé, l'interdépendance entre la santé des humains, celle des animaux domestiques et sauvages, des végétaux, avec la préservation des écosystèmes et du climat.
ce qui nécessite une démarche transversale, tant au niveau national qu'au plus près des bassins de vie, là où sont affectées les populations par les effets délétères des impacts des activités anthropiques sur les milieux et la biodiversité. Au final, il s'agit d'accorder aux territoires le pouvoir d'agir de façon adaptée pour remédier aux facteurs de risque auxquels ils ont affaire, en termes de compétences, de moyens et de responsabilités, pour intégrer la prévention dans leur programme et ne plus être condamnés à subir des dommages prévisibles. Ainsi, le droit constitutionnel de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé sera-t-il enfin opérationnel? Et les 6 préconisations à venir répondent à ces 2 questions fondamentales. Quelle gouvernance pour quelle échelle de territoire? Et quel partage de connaissances et formations? Diapo suivante, s'il vous plaît. La première préconisation porte sur la gouvernance au niveau national qui doit être interministérielle, avec une coordination de tous les ministères concernés au-delà de l'environnement et de la santé, y compris le ministère de l'économie et des finances, car une approche économique est cruciale quand on considère que seulement 2% des budgets santé vont à la prévention et que le retour sur investissement d'une politique de prévention sanitaire appliquée à l'environnement est potentiellement considérable. À titre d'exemple, il faut savoir qu'un rapport du Sénat portant sur la pollution de l'air elle évalue à 100 milliards en termes de coûts, à 100 milliards d'euros par an, et que le coût des externalités négatives supportées par les collectivités soit enfin pris en compte pour que le bilan d'activité soit plus transparent et cohérent avec les engagements de la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Cette coordination implique des démarches et une recherche pluridisciplinaire et transversale pour renforcer la synergie des organismes concernés au sein d'un groupement d'intérêt scientifique dédié à la santé et environnement, et la diapo vous en énumère quelques-uns. Des plans opérationnels décloisonnés. Il en existe 35 qualifiés de plans silos pour ne pas être coordonnés, ce qui est d'ailleurs un facteur d'inefficacité, ce silotage des plans. Donc, des plans opérationnels décloisonnés pour plus d'efficacité et pour simplifier l'approche administrative applicable par des territoires dotés de nouvelles compétences, ce qui n'est pas le cas actuellement et ce qui nous amène à la deuxième préconisation concernant les mesures législatives et réglementaires sur la territorialisation de la santé environnement. Avec une loi spécifique pour doter les territoires de compétences reconnues nécessaires à la mise en œuvre d'une politique santé-environnement et de santé. Évidemment, c'est un projet qui concerne la prochaine mandature, la prochaine législature après les présidentielles à venir, mais aussi en attendant un toilettage des codes existants, comme celui de la santé publique, de l'environnement, de l'urbanisme et des collectivités territoriales pour qu'ils intègrent cette santé globale. Diapo suivante, s'il vous plaît. La troisième préconisation concerne la gouvernance au niveau régional, dotée d'un schéma régional de prévention, une seule santé. Selon une politique de prévention impulsée par le contrat de plan État-région et le contrat de relance de la transition écologique, CRTE, ayant intégré les dimensions de santé globale, bien sûr, dirais-je, avec 2 volets qui sont déjà en place, on ne parle pas de rien. Le volet stratégique, un volet stratégique, il s'agit d'inclure la santé environnement dans le SRADET avec de nouvelles compétences dans ce domaine. Il y a plusieurs items dans le SRADET qui impactent de près, en général vraiment de près, la santé environnement, sauf que la santé n'est pas du tout au programme du SRADET. Et un volet opérationnel constitué par un plan régional santé environnement cofinancé dans le cadre des contrats de plan État-région et s'appuyant sur une ingénierie et un pilotage technico-administratif, lui aussi en place. Il est énuméré sur la diapo. Et parmi tous ces organismes, les observatoires régionaux de santé ont un rôle très important à jouer, notamment pour effectuer des diagnostics locaux santé-environnement. On va y venir dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. La gouvernance territoriale au niveau des collectivités.
La quatrième préconisation concerne la gouvernance territoriale reposant sur l'organisation institutionnelle actuellement en établissement public de coopération intercommunale, les EPCI, pour mettre en œuvre des plans territoriaux d'action santé-environnement. Ceci est bien codifié grâce à l'exemple pionnier reposant jusqu'à présent sur une démarche volontaire et qui n'importe maintenant de généraliser. Ce point est absolument fondamental. Là encore, on ne parle pas de rien. Certaines collectivités ont des diagnostics locaux santé-environnement et se sont engagées sans en avoir les moyens et encore moins les compétences, mais le font quand même en association avec les ARS qui ont décidé de les aider à partir du moment où on avait affaire à des politiques, des élus locaux, conscients de l'importance d'une prévention. Chaque PCI doté de compétences et de budget, ça, on se projette dans l'avenir, met en œuvre son plan territorial d'action santé-environnement, adapté en fonction d'un diagnostic local santé-environnement, DLSE. Donc, je suis l'Orientais et depuis 2017, nous avons un diagnostic local santé-environnement lié à l'agglomération de Lorient. Maintenant, on est en train de passer à l'action. Et ce DLSE, ce diagnostic, qu'est-ce qu'il recense? Évidemment, les facteurs de risque auxquels sont exposées les populations dans leur bassin de vie, mais aussi les indicateurs socio-sanitaires déterminants et les dommages éventuels portés aux écosystèmes et à la biodiversité par les activités de ce bassin de vie. Cette gouvernance locale s'effectue en concertation avec les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé, le CPTS. Là aussi, ça existe, hein, c'est opérationnel depuis longtemps, mais il faut vraiment l'adapter sur la prévention sanitaire environnementale. Et en coordination avec les plans de contrat existants. Il en existe beaucoup. Là encore, il y a une énumération, je ne vais pas tout passer en revue, mais parmi ces acronymes, CLS est important, contrats locaux de santé. Beaucoup d'agglomérations, beaucoup de communes n'ont pas de contrats locaux de santé qui lient à l'agence, à leur agence régionale de santé. Il faut commencer par cela pour ensuite espérer avoir des aides pour passer à l'action. Et aussi, surtout, pour être aidé d'un point de vue administratif et politique. Alors, parmi tous ces contrats, il en existe qui ont du sens, comme les PAT, les projets alimentaires territoriaux, hein, qui sont encadrés par une loi agricole, les plans climat, air, énergie territoriaux, etc. Les plans d'aménagement, comme les SCOT et les PU, sont évidemment très importants pour ne pas contrecarrer les actions en faveur d'une prévention et, à contrario, évidemment, pour les aider. Ces déclinaisons territoriales font l'objet de suivi d'évaluation pour réduire les inégalités en santé-environnement. Là aussi, c'est un élément très important. Ça signifie en quelques mots que pour une même exposition à des facteurs de risque, selon son niveau socio-économique, selon son degré d'information et l'éducation, on ne sera pas affecté de la même façon. Donc, il y a une inégalité de fondamentale qui est assez inacceptable et que des plans territoriaux de santé et environnement pourraient grandement réduire. Enfin, selon l'étendue et la nature des dossiers, que ce soit en termes de risque ou de gestion de la biodiversité, il faudrait envisager aussi une synergie intercollectivité ou bien à l'échelle des parcs naturels régionaux, les PNR, qui par nature ont vocation à faire valoir cette interdépendance une seule santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, il s'agit de mobiliser les professionnels de santé et par une formation adaptée à la santé-environnement. L'ancrage de la santé-environnement au cœur des territoires est conditionné par ces cinquième et sixième préconisations. La mobilisation des professionnels concernés, cette gouvernance locale s'effectue en concertation avec les CPTS déjà mentionnés, évidemment médecins et paramédicaux, vétérinaires, secteurs mutualistes et des assurances, pour aider au pilotage du plan d'action et participer à son suivi, en coordination avec un contrat local de santé. Donc, on voit son importance de se doter d'un contrat local de santé. Chaque EPCI comporte un conseil de territoire de santé, qui lui aussi existe depuis longtemps, le CTS, en relation étroite avec l'Agence régionale de santé. Et j'insiste là-dessus, très concrètement, nous à Lorient, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un diagnostic. C'est au niveau des territoires, des conseils de territoire de santé, les CTS,
que l'on a pu sensibiliser le territoire à la santé environnement, pour l'amener à se doter du diagnostic en interpellant l'ARS, qui a suivi notre demande. La sixième recommandation concerne la formation adaptée à la santé environnement. Le docteur Souvet vous le développera. Les grandes lignes. D'une part, ces formations concernent pas seulement les professionnels tels que les médecins, mais d'abord, dirais-je aussi, les élus, les cadres et les agents territoriaux qui n'ont absolument aucune notion dans ce domaine. Ce sont les premiers à le dire. Et donc, il faut que cette formation s'effectue avec l'existant. Encore une fois, vous voyez, on dispose de beaucoup de moyens en place. Ça s'appelle le Conseil national de formation des élus locaux, le CNFL. Et également avoir recours à l'école des hautes études en santé publique, les agences régionales de santé, le Conseil national de la fonction publique territoriale et les observatoires régionaux de santé. De plus, comme référence, il existe un modèle canadien dans ce domaine qui pourrait aider à innover. Cette nécessité s'exprime au plus haut niveau des formations administratives, comme en témoigne la tribune parue récemment dans Le Monde, s'intitulant, entre guillemets, « Nous, élèves de la haute fonction publique, demandons à être formés à la transition écologique », fermez les guillemets, et qui dénonce le manque d'ambition dans ce domaine du futur INSP devant remplacer l'ENA. Donc, tous les niveaux administratifs, tous les niveaux de la représentation de la fonction publique doivent être infusés par cette notion de santé environnement. D'autre part, la formation professionnelle initiale et continue de nombreux corps de métier concernés par ces interrelations santé environnement est fondamentale. Évidemment, cela concerne les médicaux et paramédicaux, mais aussi les grandes écoles qui forment les élites et de nombreux corps de métier qui, par essence, peuvent impacter l'environnement. On pense à l'agriculture, aux bâtiments, etc. Enfin, ces formations sont à conforter auprès de la population par des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la santé environnement, par une culture partagée de prévention. Ce terme est très, très important. Là aussi, la santé environnement doit infuser la population, en termes d'éducation sanitaire. Alors, que ce soit au niveau des cursus scolaires que les partenariats avec les tissus associatifs et les médias. Diapo suivante, s'il vous plaît, en guise de conclusion. Il s'agit de passer de l'hygiène et la salubrité publique, dont les textes fondateurs remontent au 19e siècle, car il y a des compétences, il y a même des pouvoirs de police qui sont liés à l'hygiène et à la salubrité publique. Et encore une fois, ça remonte les textes au 19e siècle, et de passer à la santé environnementale santé du 21e siècle, avec pour maître mot transversalité, prévention et territorialité. Voilà, j'ai fini de planter le décor, si je puis dire. Et maintenant, si on peut passer à moins qu'il y ait des questions de compréhension, le débat, on le réserve après les trois interventions, à un éclairage sur la formation avec le docteur Souvet de l'association Santé Environnement France. Oui, bonjour à tous. Lilian a presque tout dit, hein. Je vais juste vous faire un petit résumé, voilà, des enjeux, en fait, des enjeux notamment financiers et avec un petit mot local. Donc, nous, on dit maintenant il faut avoir une vision globale de la santé, hein, on ne peut plus. Vous pouvez le mettre en vision Ah oui, excusez-moi, holacrasse. oui, c'est bon. Parfait. On ne peut plus se contenter du message, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré, il faut arrêter de fumer pour suffire à rendre les Français en bonne santé, évidemment. Je ne vous recommande pas de fumer, hein, au contraire, bien entendu, la question n'est pas là, mais le message est notoirement insuffisant. Et donc, il faut une politique de prévention et les facteurs de risque, les facteurs environnementaux sont des facteurs de risque, tout simplement. Sur politique de prévention, tout en bas, donc c'est 1 à 2 %, la France est 18e au niveau de l'OCDE, des pays les plus riches du monde, en termes de prévention. Et voilà un exemple de budget de l'ARS PACA, 17 milliards de budget. Le budget prévention classique, 48 millions. Le budget santé environnement, 2,3 millions. Il y a 2 jours, j'étais sur une conférence sur l'air à Paris. J'avais la représentante santé environnement de l'ARS Île-de-France. Son budget est de 2 millions.
Il y a 3 à 4 fois plus. Donc, PACA est déjà très actif, mais vous voyez que notoirement, les budgets ne sont pas en correspondance avec les enjeux. Exemple, la pollution de l'air, 100 milliards, ou une étude sur les perturbateurs endocriniens, où on est à, sur les premières estimations européennes, à 1,5 à peu près pour cent du produit intérieur brut. Et c'est probablement sous-estimé. Le bruit. Donc, on est loin, en fait, des enjeux sur le problème donc, de l'exposome, qui est une exposition interne avec vos propres métabolismes, votre propre microbiote, vos propres polymorphismes, les facteurs généraux sociaux. On a, en termes de prévention, c'est un avantage qu'on peut tirer sur le plan médical, sur le plan économique, vous allez voir les chiffres, et sur le plan social, puisque c'est ces populations-là qui sont les moins adaptées et qui bénéficient le moins des messages de prévention et de promotion de la santé, donc à la fois économique, médicale et sociale. Là, je passe ces certains nombres de pathologies qui augmentent, et voilà des chiffres du rapport, issus du rapport de la CNAM de 2020, qui comparait les dépenses de santé. Donc en 2012, 123 milliards sur le régime général, donc vous rajoutez 15% à peu près, tout régime confondu, et en 2018, on passait à 142 milliards, régime général, 167 régimes, tout régime, et cette année, on est à plus de 200 milliards. Donc, des dépenses de santé qui explosent, avec donc, 10 millions d'infections longue durée qu'on ne confondra pas avec les maladies chroniques, 20 millions de maladies chroniques. Et l'ACNAM estime qu'il y aura 500 000 personnes de plus vivantes en 2023 qui auront des pathologies chroniques. Pour vous dire un truc, par exemple, l'hypertension artérielle n'est pas une pathologie chronique, est une pathologie chronique, mais n'est pas une infection longue durée, par exemple. Et dans ce tableau en bas à droite, vous voyez les soins maternité, on estime qu'ils baisseront parce qu'on pense que la natalité va baisser. Et dans la projection de ce rapport de Miller, on pensait que les traitements psychotropes allait baisser, mais je crains qu'avec le Covid, sur ce plan-là, on ne soit pas à la baisse, mais plutôt à la hausse. Donc, sur la colonne de gauche, c'est le nombre de patients atteints de ces pathologies qui va augmenter. Maladie cardiovasculaire, je suis cardiologue, donc 638 patients de plus à traiter, et croyez-moi, c'est beaucoup de médicaments. Et pour vous donner un exemple, on veut faire baisser le cholestérol avec des statines, hein, qui, à un certain âge, n'a pas une statine, pour faire baisser son cholestérol, et à Tokyo, en réduisant la pollution de l'air, donc facteur de risque environnemental collectif et subi, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité, a baissé de 11%. Tandis que moi, pour éviter un événement cardiovasculaire, il faut que je traite à peu près 26 à 30 patients pour éviter un événement, qui est peut-être une hospitalisation, une crise d'angor, etc., dans l'année. En agissant sur la pollution de l'air extérieur, on a réduit la mortalité de 11%, ça veut dire que la prévention, ça marche. Sur la droite, c'est la progression annuelle des dépenses de santé. Donc, il y a eu un rebond, évidemment, Covid en 2020, mais vous voyez une élévation constante. Donc, si on veut continuer à payer, et moi, j'apprécie notre système de soins, parce que c'est un système de soins, ce n'est pas un système de santé. On a un ministère des soins, mais pas un ministère de la santé. On est très performant, mais ça ne suffit pas si on veut pouvoir tenir. Je suis attaché au système actuel et il faut donc faire plus de prévention. C'est l'objet des enjeux. Pour faire de la prévention, il faut de la formation et il faut, j'allais dire, territorialement des données. Alors, je ne vous l'ai pas mis pour ne pas froisser les Bretons, mais vous savez qu'on a du mal à avoir des registres cancer parce que pour agir territorialement, il faut avoir des données pour bien connaître son territoire. Alors, le diagnostic local de santé doit donner ces données, mais on pourrait très bien en avoir avec les registres. Or, quand nous avions demandé donc des registres cancers, il en existe une vingtaine, on va dire, près d'un 15 départements. Curieusement, il n'y en a pas dans les départements des grandes villes. Marseille, Lyon, Lille, Paris, il n'y a pas de registre cancer. Et on nous dit, il y a des registres spécialisés, le registre pédiatrique, il est à l'arrêt depuis 5 ans, vous voyez, par exemple. Et on nous dit, c'est très difficile d'avoir des registres. Et j'ai retrouvé en Bretagne, sur les départements bretons, canton par canton, il y a quand même pas mal de cantons dans chaque département breton, un registre sur les cancers de l'œsophage parce qu'on prêtait aux Bretons ce défaut de beaucoup boire. Et ces registres, canton par canton, sur le cancer de l'œsophage datent de 1966. Et on nous dit 60 ans après qu'on n'est pas capable de faire aussi bien. Nous avions écrit
pour avoir ces données territoriales au ministère, demander au ministère de la Santé, Mme Buzyn à l'époque, de réformer, d'avoir ces données territoriales. Et on nous a répondu, et je cite, écoutez bien, les registres cancer ne sont pas des outils d'alerte ni des outils d'action, ils n'ont pas été conçus pour ça. Et donc, à la commission de l'Assemblée nationale où Gilles Pupien, Lilian Le Goff et moi-même avons été auditionnés, la présidente m'a dit, mais à quoi ça sert les registres? Et j'ai dit, voilà, c'est une bonne question, puisque ce ne sont ni des outils d'alerte, ni des outils d'action. J'ai repris l'aspect formation, parce que pour faire passer ces messages sanitaires, en plus territorialement, là où les médecins, les élus, et tout le monde connaît le mieux la santé, il faut former les gens. Je vous donne un exemple, deux exemples. Je vois un patient l'autre... Il y a quelques mois, il est responsable des trottoirs dans la métropole de Marseille. Et je lui dis, vous savez ce que c'est que... Enfin, je ne lui dis pas comme ça, mais je lui dis, vous savez ce que c'est que l'effet albédo? Ah non. Et vos trottoirs sont de quelle couleur? Ah, ils sont noirs, voilà. Il ne savait même pas ce que c'était l'effet albédo. Il est responsable des trottoirs sur la métropole. Bon, j'ai soigné quand même. Hein. Notre responsable des transports RTM, des transports de la régie marseillaise, je lui dis, dans les bus où ils sont aérés, vos bus avec le Covid, là, c'est très important l'aération, c'est un geste barrière majeur. On a fait un mini-guide Covid et c'est en juin 2020, on a mis aérer le plus possible. Et, ces préconisations évidentes ne sont arrivées qu'en mars 2021. Il m'a dit non, les fenêtres sont condamnées. Donc il y a un manque une acculturation à la fois des agents des collectivités, mais aussi des élus, mais aussi des grandes écoles. Qu'il faut absolument changer. Et cette formation, mais le relais quand même essentiel, c'est les professionnels de santé. Et là, je vous ai listé les trois préconisations des PNSE, des différents PNSE, le premier a commencé en 2004, où les formations sont indispensables. Et sur la première mouture du PNSE 4, on voit les formations, les écoles seront incitées à intégrer. Eh bien, j'ai croisé Mme Toutu-Picard dans la dernière mouture, grâce à vraiment... au fait qu'on a pesé, je pense que c'est ça, l'évidence est apparue, et donc normalement il y aura un module obligatoire. En première, deuxième année, encore faut-il qu'il soit suffisant, donc on risque de s'orienter vers 1h30 simplement, ce qui est déjà bon, un début, et puis pour parler sur quel programme, est-ce que ce sera uniquement la transition écologique, comme j'entends que ça travaille dessus sur l'Université de Paris. Ou est-ce qu'il y aura vraiment des aspects sur la santé environnement avec les différentes pollutions, pesticides, perturbateurs endocriniens, pollution de l'air, sur la toxicologie, qui avec ces perturbateurs endocriniens ne protège plus réellement la santé, n'est pas suffisante pour protéger la santé. Donc il y a des progrès, ainsi que sur One Health, puisqu'il n'était pas dans la première, le groupe de suivi du One Health, une seule santé, n'était pas dans la première mouture. Il a été rajouté, là aussi, sur la pression de cette alliance sanitaire, médicale, des écosystèmes et vétérinaires, il a été rajouté. Sachez que je suis intervenu au Congrès mondial de la nature avec Bernard Chevassieu-Louis, le président de l'Humanité et Biodiversité, l'année dernière, puisque le congrès a été reporté, il n'y avait pas de conférence santé-biodiversité à ce congrès mondial, et c'était rajouté donc à l'aune du Covid. Et je vous assure que One Health va bien plus loin que l'amélioration du bien-être quand on regarde les oiseaux et la nature, il va jusqu'à une diminution de mortalité quand on est exposé à la nature. Et le deuxième volet important, c'est l'amélioration du système immunitaire avec un microbiote particulièrement performant quand on est exposé beaucoup plus à la nature. Je vous rappelle qu'il y a entre 100 milliards à 100 000 milliards de micro-organismes, bactéries, virus dans notre organisme, ces chiffres colossaux, 10 fois plus que nos cellules. Et c'est cette harmonie extraordinaire qui fait qu'on est en bonne santé. Sur la formation, j'avais interrogé des internes une soirée sur les perturbateurs endocriniens. Il y avait quelques dizaines d'internes et j'avais demandé est-ce que vous pouvez répondre aux patients. Bien évidemment, la réponse était non. Les professionnels de santé, médecins, pharmaciens ne sont pas capables de répondre aux questions de leurs patients. Et donc, dans la conférence One Health, eh bien, nous poussions à la formation donc, d'une démarche commune, une seule santé, avec bien sûr les professionnels de santé au sein des CPTS. Alors, les communautés professionnelles territoriales de santé varient suivant leur taille. Ça peut être sur des territoires de 100, 100 000, 150 000 habitants,
auquel l'ARS donne par exemple jusqu'à 300 000 euros par an pour coordonner les soins, mais il y a un volet prévention dedans. Et donc, la santé environnementale, bien sûr, ça s'intègre dans le volet prévention. Elle peut être de plus petite taille, 30 000 habitants, par exemple. Et là, ce sera évidemment le niveau d'échelle différent et associe les pharmaciennes, les infirmiers, les psychologues, les médecins, les dentistes, enfin, tous les secteurs, les vétérinaires, tous ceux qui interviennent. Mais il faut aller plus loin. Lilian vous l'a dit, il faut aller vers tous les gens en contact des populations, et notamment les élus. Et là, je vous parle par exemple d'urbanistes. Je suis allé à l'université d'été des urbanistes où ils se penchent sur la question et ils m'ont dit oui, on n'est pas assez formé, donc on va essayer de mettre en place des sensibilisations au sujet. Et j'aurais dit les architectes, c'est le même problème. Ils m'ont dit, vous savez, nous, on a du mal à parler avec les architectes. Vous voyez, il y a un gros, gros travail de rendre ces évidences dans leur métier, hein, parce que si vous faites un bon quartier bien protégé, avec de la bonne nature, des bonnes espèces, des bonnes essences qui améliorent votre santé, si l'architecte a fait un intérieur absolument invivable, où il fait trop chaud, où la qualité de l'air intérieur est médiocre, eh bien, on aura guère avancé. Donc, un tronc commun pour cet ensemble de professions, la formation continue, il y a moins de 1% de formation continue. Elle doit aller aussi au centre de la fonction territoriale, pas seulement pour les médecins, au centre des élus, comme l'a dit Lilian. Il faut absolument mettre ça en place et puis sensibiliser les populations. Hein. Il y a plusieurs volets, c'est un peu comme notre action. Hein. Il y a un volet vers les populations, il y a un volet vers les professionnels de notre corporation, puis il y a un volet politique vers les institutions. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Et les entreprises, bien sûr, qu'avec la responsabilité sociale et environnementale. Donc, nous, on a plein de guides. Et l'aspect encourageant, c'est qu'on a le soutien des étudiants ANEM, FANEF, c'est les étudiants en médecine de France, de pharmacie de France, les internes en médecine générale, qui se sont tournés vers une association, loi 1901, pour les sensibiliser à la santé environnementale. C'est pour vous dire le manque criant qu'il y a au niveau de l'État, avec après quelques petits outils pour aider nos citoyens, nos concitoyens, voilà. J'ai fait vite. Merci, Pierre. Maintenant, on va passer la parole à Gilles Pipien. Je le vois, il est là. Donc, il va nous parler de gouvernance. Tu te présentes, Gilles, s'il te plaît? Oui, ancien inspecteur général d'environnement et développement durable auprès du ministère de la Transition écologique et aujourd'hui administrateur de l'association Humanité et Biodiversité, au sein de laquelle je suis plus particulièrement chargé de suivre les sujets de santé en lien avec la biodiversité. J'ai aussi été comme directeur de cabinet à l'origine du premier PNSE1, de la Charte de l'environnement et de son article 1 « Chacun a droit à un environnement équilibré et respectueux de sa santé ». Et comme inspecteur général, j'ai évalué les PNSE 2 et PNSE 3. J'ai aussi participé au rapport Carlet sur l'antibiorésistance de 2015 à Marisol Touraine. Voilà, donc quelques éléments. Je vais vous donner d'abord quelques chiffres, quelques éléments d'histoire. Une petite histoire simple, la ville de Marseille, les quartiers nord, que vous connaissez plus parce qu'on y brûle des BMW, on y vend du shit, mais c'est aussi des populations avec un taux de chômage de 30% qui ont l'avantage d'habiter des immeubles avec vue imprenable sur l'autoroute, par conséquent pollution de l'air, pollution du bruit. Deux autres éléments, depuis 7-8 ans, le port a réorienté sa stratégie et reçoit des paquebots de croisière. C'est des HLM flottants de 1500 personnes et qui ont l'avantage, quand ils sont dans port, de continuer à faire fonctionner leur moteur au mazout, un mazout particulier puisqu'il contient du soufre et qui, par vent du sud, permet au quartier nord de bénéficier de ces fumées particulièrement noires. Et puis, dernière étude de l'association de qualité de l'air Atmosud, qui s'est posé la question, il y a 4-5 ans, avant que ça devienne obligatoire, de la teneur en pesticides dans l'air, et qui a découvert que quand le Mistral souffle venant de la vallée du Rhône,
des vignobles de Châteauneuf-du-Pape et des tomates au pied des Alpilles, eh bien, il y avait des pesticides dans l'air. Donc, au moins, les quartiers nord, quel que soit le vent, soit ils ont la fumée des paquebots, soit ils ont les pesticides, et de toute façon, en continu, la pollution des voitures. Et il ne faut pas s'étonner que ces personnes qui ont déjà des difficultés sociales se retrouvent avec des maladies graves. Et quand ils essayent de s'échapper à ces secteurs pour habiter dans les quartiers anciens, là, ben, ils se retrouvent avec du saturnisme et une plombémie grave, sans parler du cas où les immeubles s'effondrent. Juste pour vous dire que le rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2015, qui rappelle que les inégalités sociales sont des inégalités environnementales et réciproquement, est le premier point sur lequel je voulais vous alerter. La deuxième histoire, c'est une bête histoire de renard. Dans les années 70, venant de l'Est, on a toujours eu des problèmes venant de l'Est en France, donc en Lorraine, en Alsace, la rage explose. Heureusement, les préfets réagissent avec vigueur et les fédérations de chasse décident de tuer du renard. Et, aux surprises, le front de la rage s'accélère et atteint le bassin parisien. Quand enfin on demande à quelques écologues et vétérinaires d'essayer d'analyser le problème, eh ben on revient à l'éthologie du renard. Je vous rappelle que le renard est un animal territorial. Ce qui veut dire que quand vous réussissez à le blesser, ben vous avez tous les voisins qui viennent voir, il y a bagarre, on se mord, et s'il y en a un seul qui a la rage, à la sortie, vous en avez au moins 5 ou 6 qui ont la rage. Mais même si vous l'avez tué, les voisins ont une méthode particulière chez les renards pour bien vérifier qu'ils peuvent prendre le territoire avant de se bagarrer entre eux. Ils mordent le mort pour vérifier qu'il est bien mort. Donc s'il a la rage, cadeau. En clair, cette méthode un peu simple, pour ne pas dire simpliste, qu'on a appliquée depuis de nouveau au bouquetin du bargy, au blaireau pour la face à la tuberculose bovine, avait ceci de particulier, c'est qu'ignorant l'écologie, on aboutissait à une catastrophe. Bien pire, éliminant les renards, on permettait aux rongeurs de se développer et les années suivantes, les récoltes baissaient, tout simplement parce que les rongeurs bouffaient les récoltes. Le succès est arrivé grâce aux Suisses qui, eux, se rappelaient que M. Pasteur avait lutté contre la rage dans le Jura, peut-être vous vous en souvenez, grâce à un vaccin. Et qu'ont fait les Suisses? Oh, ils ont balancé des boulettes de viande par hélicoptère où ils les ont lâchées dans les bois. Et non seulement ils ont vacciné les renards, mais les chiens errants, les blaireaux, les autres carnassiers, les quelques loups du coin, les lynx. Et ils ont arrêté la rage. Et on a importé ensuite, simplement pour vous dire que face à un problème de santé lié à l'environnement, en l'occurrence la biodiversité, il faut des compétences de médecins, des compétences de vétérinaires, d'écologues, d'agronomes et se parler. En clair, je voulais simplement vous faire passer ce deuxième message simple. L'être humain est un être vivant. Par conséquent, la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et le fonctionnement des écosystèmes sont un et reliés. Maître mot, l'interdisciplinarité, ce qui veut dire au-dessus, puisque tu me parles de gouvernance LIAN, que ceux qui sont en charge de l'environnement, de la santé, de l'agronomie, des forêts, de l'industrie, de l'économie, etc., qui mobilisent les compétences chacun dans leur domaine, l'agriculture, les vétérinaires, l'environnement, les écologues, la santé, les médecins, ben, il faut qu'il y ait de l'interministérialité. Le drame, c'est que le plan national santé-environnement, depuis son origine, n'est piloté que par le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement. Ce n'est que pour le PNSE4 que nous avons réussi enfin à obtenir que le ministère de l'Agriculture soit fortement associé, alors qu'il l'est dans la gouvernance de l'Agence nationale de santé-environnement, puisque là, enfin, nous avons depuis le début une co-tutelle du ministère de l'Économie avec la Direction générale de la concurrence, la répression des fraudes, du ministère de la Recherche avec la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, du ministère de la Santé, DGS, du ministère de la Transition écologique et enfin de l'Agriculture avec la DGAL. Interministérialité,
C'est ce dont nous avons besoin pour qu'enfin on se parle, non seulement entre scientifiques, mais au niveau national, mais localement. Localement, j'ai évoqué la biodiversité. Je voudrais vous rappeler qu'au niveau international, il n'y a pas de définition de la biodiversité. Nous nous sommes battus, nous n'avons obtenu qu'en 2016 qu'une certaine définition rentre dans le Code de l'environnement. Je vais me permettre de vous la lire pour vous faire comprendre en quoi ça aboutit à des enjeux de gouvernance. On entend par biodiversité ou diversité écologique la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques. J'y reviendrai. Enfin, le mot écosystème au plus haut niveau du Code de l'environnement, article L110-1, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Là, je vous ai parlé des interactions entre les renards, entre renards et rongeurs, entre rongeurs et plantes, écosystèmes. Et puisque depuis le néolithique, l'humain a impacté tous les centimètres carrés de la Terre, y compris en Amazonie, et qu'inversement, nous sommes impactés par les écosystèmes, y compris, comme l'a dit Pierre Souvet, par les bactéries dans notre intestin, 30 milliards de bactéries dans notre corps, 30 milliards de cellules, à peu près pareil. Ça veut donc dire qu'il faut parler de socio-écosystèmes. Ça veut dire qu'en termes de santé, en termes de biodiversité, la Camargue, ce n'est pas le bassin minier, ça n'est pas les Alpes, ni les quartiers nord de Marseille. Qu'il faut donc raisonner si on veut travailler sur les questions de santé, environnement et surtout de santé liée aux écosystèmes, à la biodiversité, il faut raisonner territorialement. C'est cette échelle des territoires qui est la bonne. Pour croiser les données d'épidémiologie, il serait temps d'avoir accès au registre du cancer, mais pas que. Par exemple, sachez que c'est au CHU d'Avignon et au CHU de Montpellier, dans des zones viticoles de Châteauneuf-du-Pape ou de Saint-Chinian, qu'on trouve que les leucémies des enfants sont à un taux 5 fois supérieur qu'à la moyenne nationale, surtout chez les enfants de viticulteurs. Il y a bien des problématiques territoriales de santé liées au fonctionnement des socio-écosystèmes. Il est donc important à ce niveau-là de faire travailler les professionnels entre eux, de faire en sorte que les conférences des professionnels de santé qui viennent à peine d'être créées dans les territoires s'ouvrent aux vétérinaires, aux écologues, aux agriculteurs, mais qu'on mobilise l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, les forestiers, les urbanistes dans ces territoires, avec les élus, la population qui sent bien les difficultés et les problématiques, pour ensemble, à base d'indicateurs sur le fonctionnement des écosystèmes, d'indicateurs par l'épidémiologie, de repérer quelles sont les priorités locales, les problématiques locales, et de pouvoir enfin, sur ce diagnostic local de une seule santé, santé environnement, proposer des actions concrètes, comme le fait effectivement d'arrêter l'épandage des pesticides, pas à 5 mètres des maisons, mais sous le vent, ça peut être à 150 mètres, si le vent souffle en direction des maisons. Et ça, c'est un élément local. Il faut donc avoir une gouvernance locale, mais encore faut-il donner la compétence aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés par la loi du 27 janvier 2014, depuis le 1er janvier 2018. Nous sommes face à une révolution institutionnelle que nous n'avons pas complètement intégrée. Nous vivons encore sur la loi de 1884 et du pouvoir des communes et de la loi 1902 qui a donné aux maires les pouvoirs de police générale en matière d'hygiène et de salubrité publique. Il faut donc donner à ces EPCI qui ont la compétence aménagement, SCOT, PLUI, transport, PDU, habitat, PLH, environnement via la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, plan climat, air, énergie. Il est temps qu'à ce niveau-là, on donne une compétence santé et environnement aux EPCI qui ont la vision locale. Mais encore faut-il qu'au niveau national, on ait bien défini santé, environnement et une seule santé. À part la Constitution dont je vous ai parlé, il n'y a rien, notamment dans l'article L1311-1 du Code de la santé publique qui ne parle que d'hygiène, d'eau, d'assainissement
un peu de pollution de l'air et de pollution des bruits. Il faut définir la santé environnement, permettre ainsi qu'il y ait une gouvernance interministérielle, des actions locales grâce à une mobilisation des collectivités territoriales s'appuyant sur une interdisciplinarité. Voilà en quelques mots des orientations pour une seule santé, mais vous voyez bien qu'on peut aller au-delà sur la santé environnement. Merci beaucoup Gilles, merci Pierre. Bien Catherine, on soit se retourner vers vous pour connaître les questions auxquelles on aura à répondre maintenant. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Donc, il semble que tout est très bien, très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi lever la main. Vous souhaitez. Questions ou témoignages, parce que, comme je l'ai dit, il y a certaines agglomérations qui se sont déjà lancées dans la démarche et ce serait intéressant d'avoir des témoignages, justement, des retours d'expérience parmi nos participants. Daniel, non, je ne sais pas si c'est une réaction ou si... Une question. Parfait. L'intervenant, M. Souvet, nous a parlé avec beaucoup de pertinence d'un effet albédo. Alors moi qui suis encore un petit peu, je ne suis pas un hyper spécialiste très élevé, donc je voudrais savoir de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est que l'effet albédo? Bonjour Daniel, vous avez de la famille avec la dame qui est au ministère de l'écologie, non? Non, je ne savais pas, c'est un nom assez courant et les algues vertes font que les lions est connu dans le monde entier. Oui, l'effet albédo, c'est le fait de l'absorption par les couleurs foncées de la chaleur. Donc, si vous avez votre toit bien noir avec du goudron, eh bien, il fera beaucoup, beaucoup plus chaud que si votre toit est clair. Voilà, c'est la voie. Donc, merci. Il faut faire de nos jours. C'est pour ça que... au Maghreb ou dans le sud de l'Espagne, les maisons sont blanches. Hein. C'est curieux, mais ils ont compris ça il y a longtemps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de compréhension ? Je peux peut-être apporter un autre témoignage qui est celui de ce qu'a fait une collectivité territoriale depuis longtemps et qui aboutit à des résultats que j'admire beaucoup. C'est dans la vallée de la Drôme, la communauté de communes du Val de Drôme. La Drôme est une rivière qui est perpendiculaire au Rhône. Bon, ils ont toujours été un peu à part. Hein. Du temps des protestants, c'était la route pour se sauver en Suisse face aux dragonnades. En 1851, quand l'empereur prend le pouvoir, Napoléon III, les républicains s'y réfugient. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le massif du Vercors. Et après 68, on a plein d'intellos qui sont venus là. Ils ont tous constaté à partir des années 70 que la rivière était un cloaque et que 98% du temps, on ne pouvait pas s'y baigner et je ne vous parle pas de l'eau potable. Et ils ont commencé à se mettre tous autour de la table, agriculteurs, industriels, habitants, élus, associatifs. Et à partir de l'eau, ils ont commencé à tirer plein de choses. Parce que derrière, les habitants ont commencé à mettre au point des centrales d'achat en alimentation. Et puis, ils ont commencé à se poser la question de quelle biodiversité, et ils ont découvert que la Drôme est à la limite entre la Méditerranée et les Alpes, et donc c'est dans un écotone à la rencontre de deux régions biogéographiques avec une richesse énorme, notamment de plantes, et de plantes qu'ils ont commencé à regarder, à étudier. Et une société a été créée, Sanoflore, les cosmétiques bio, aujourd'hui achetés par L'Oréal. J'arrête tout un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, non seulement l'eau est baignable 95% du temps, mais le territoire est recouvert par 30% de Natura 2000. Il y a 35% de la SAU qui est en bio, 35%, je vous rappelle la moyenne nationale. 80% de l'alimentation dans les cantines est bio et locale. Et Sanoflore a été racheté par L'Oréal. C'est un des quatre centres mondiaux
de recherche de L'Oréal sur les cosmétiques bio et il y a moins de 4% de chômage dans la vallée. Et en termes de santé, c'est un des endroits de France où on a le moins de cancers. Je m'arrête là. Bravo à ces gens-là qui se sont pris en main depuis 30 ans et qui effectivement montrent des résultats. Qu'est-ce qui a fait que dans cette région-là, ça a aussi bien marché, donc pu se mettre d'accord sur des actions à entreprendre. Il y a toujours aussi un peu, on entend souvent aussi l'argument entre protéger la nature, la santé et l'économie. Donc, quelles ont été les raisons pour que ça a aussi marché ? Alors, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une habitude locale à la fois d'une identité importante, mais d'accepter des gens qui viennent d'ailleurs avec de l'innovation. Sanoflore est créé par un Suisse. Donc, il y a cette acceptation. Il y a aussi un sentiment important de l'importance du bien-être. Je vous rappelle que la définition de la santé, c'est le bien-être. Et enfin, cette capacité qu'ont eu les élus de faire travailler ensemble tout le monde, de mettre autour de la table agriculteurs, irrigants, industriels, habitants, etc. Ils en sont arrivés à créer d'ailleurs une association qui s'appelle la Biovallée, qui a déposé sa marque d'ailleurs, dans laquelle il y a les représentants des collectivités, les représentants des entreprises locales, les représentants des habitants. Et ils font travailler ensemble tous les professionnels, y compris de santé, médecins, vétérinaires, écologues, agronomes. Et une démarche de démocratie locale, dont l'un des plus beaux exemples est la commune de Saillant, où la démocratie directe est devenue très connue en France. Donc, en clair, une gouvernance locale s'appuyant sur une démocratie directe et une compréhension que le bien-être, tout est lié. Attends, il faut que je parle. Alors, oui, vous m'entendez? Je peux compléter oui. Exactement dans le même état d'esprit. En allant en préparant l'université d'été des urbanistes, je suis tombé sur des dossiers de 2000 sur les villes OMS, santé, villes santé OMS, qui reprennent exactement ça. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y a les élus locaux, les représentants des quartiers, les médecins, les représentants de l'environnement, il y a tout le monde qui est là pour créer les conditions pour lesquelles ça se passe bien. Alors, il y a deux ans, l'Institut des études en santé publique a créé un guide aussi qui reprend ça, faire un diagnostic territorial pour des actions territoriales. Il s'appelle le guide Isadora. On se retrouve, il n'y a aucun urbaniste, excusez-moi, c'est Jump de Van Allen. Il n'y a aucun urbaniste qui se souvenait que le guide santé OMS, des villes santé OMS existait. Et le guide Isadora peut diffuser. Et j'aurais posé la question, mais comment vous travaillez avec les architectes? Il m'a dit, notre problème, c'est les honoraires. Parce que quand c'est des gros chantiers, on peut mettre tout le monde autour de la table. On peut amener un médecin un peu spécialisé dans le cas, mais dans les petits chantiers, ils ne peuvent pas. Donc, ils se débrouillent tout seuls parce que l'enveloppe financière est limitée. Et donc, il faut qu'ils soient formés, ce qui n'est pas le cas. Deuxième élément, sur les obstacles qu'on a à diffuser la formation, l'information. Le problème, c'est que c'est... Je ne sais pas comment arriver à dépasser ça. C'est le problème de personne. Si vous avez à l'Union régionale des médecins PACA déjà motivés, ça marche. Si vous avez à l'ARS, par exemple PACA, ça marche. Et je vous donne un exemple. On avait fait un guide sur la contamination chimique. Des collectifs de patients en Loire-Atlantique avait dit à l'ARS au cours de réunion, mais diffusez ce guide, il est très très bien, et il a été validé par le ministère. Et l'ARS là-bas, Val de Loire, a dit, mais eux ils font ce qu'ils veulent, nous on fait ce qu'on veut. Et donc il n'y a pas d'unité à la fois de diffusion des bonnes pratiques et à la fois donc d'unité. Donc comment arriver, je ne sais pas si dans l'assistance il y a des gens qui vont avoir la bonne échelle, comment arriver à sensibiliser pas une CPTS, mais l'ensemble des CPTS, pas un élu, mais une grande quantité d'élus, etc., pour vraiment qu'on ne soit pas à être content de ce qui se passe à l'Orient et pas content de ce qui se passe dans le reste du pays. Voilà. Si quelqu'un a une réponse, une stratégie, ça m'intéresse.
Oui, bah, écoutez, de stratégie, c'est difficile de définir, car on essuie les plâtres. Les quelques agglos, les quelques communes qui se sont engagées dans une démarche de prévention sanitaire l'ont fait soit dos au mur, un peu comme l'exemple qu'a cité Gilles avec les gens du Val de Drôme, là, qui avaient laissé leur rivière. Leur source devenir un cloaque. Donc, ils ont fini par réagir et du coup, et ils sont devenus exemplaires. Et nous, à Lorient, si on a un diagnostic local santé environnement, c'est parce que le terrain lorientais avait été bien labouré, bien travaillé depuis une vingtaine d'années par les notions de développement durable. Depuis 1998, j'ai instauré par exemple des menus intégralement bio, régulièrement sans aide, en restauration collective, et ça continue, en faisant appel autant que faire se peut aux produits locaux. Et je pourrais citer d'autres exemples de ce type. Et si on a obtenu le diagnostic, c'est parce que on s'est aperçu que le PRSE, le plan régional santé et environnement, avait défini, comme dans toutes les régions, des objectifs importants, certes, mais très généralistes par rapport à ce qui se passe dans chaque bassin de vie. Et je faisais partie, dès l'origine du pilotage de ce plan régional santé et environnement, j'ai fait la remarque que nous, l'Orientais, et nous sommes un estuaire au fond duquel il y a plusieurs ports, et donc des ports, il y en a beaucoup sur le littoral breton et français, et nous sommes concernés par des problèmes qui peuvent être rapportés à tout ce qui se passe dans les autres ports, à savoir que régulièrement, et alors ce que je vais décrire n'était pas du tout évidemment dans le programme du PRSE. C'est pour ça que j'ai dit le PRSE, il faudrait quand même le décentraliser par rapport aux métropoles régionales pour s'adapter au territoire. Et de citer comme exemple, pour emporter la conviction de l'ARS, car il ne voyait pas trop de quoi je voulais parler, d'un exemple très concret, le dragage des boues du port qu'il faut entretenir, sinon au bout d'un certain temps, il y a pas assez de tirant d'eau pour accueillir les paquebots, pour accueillir les cargos qui déchargent des céréales et autres, ne peuvent plus pénétrer dans le port. Et nous avons aussi une activité de construction maritime militaire très importante pour l'économie du pays. Et pareil, les navires que l'on construit, parfois, on ne peut pas les sortir parce que le port s'envase de trop. Donc, il faut draguer. Et qu'est-ce qu'on fait de ces égouts très chargés en polluants, le plus souvent, avec les antifouling des navires, notamment en TBT très cancérigène, en beaucoup de perturbateurs endocriniens? Vraiment, on a là un concentré de pollution. Eh bien, le plus souvent, jusqu'à encore une quinzaine d'années, on utilisait la mer comme poubelle et pas trop loin de la côte. Donc, il y a eu des protestations et sans qu'il y ait de réglementation, on s'est accordé avec des normes qui relèvent d'un organisme dans lequel il y a beaucoup de parties prenantes pour quand même ne pas rejeter en mer ce qui est trop pollué. Et donc, ce qui est trop pollué, on le remet à terre et puis on essaye de trouver une solution qui n'est évidemment pour le moment pas du tout souhaitable, mais on a arrêté de rejeter tout et n'importe quoi en mer. Et c'est un exemple précis qui montre que le plan régional santé et environnement était à des années-lumière de ce qui occupe de très près les Lorientais. Et à partir de là est née l'idée, effectivement, de faire un diagnostic qui se rapproche le plus de ce qui se passe dans les bassins de vie. Et l'échelle la plus appropriée, ça fait l'objet de réflexions au cours du colloque dont je vous ai parlé en introduction, et l'existant actuel, à savoir les EPCI. Bon, mais ça peut être évidemment à géométrie plus ou moins variable. Et à partir de là, on a, dans le cadre des conférences de territoire de santé de l'agglo de Lorient, et il en existe partout, des conseils territoires de santé, on a fait une demande après 4 années de réflexion. Hein,
auprès de l'ARS pour obtenir un diagnostic. Et on l'a obtenu. L'ARS a dégagé un budget pour cela via le contrat local de santé dont j'ai parlé tout à l'heure et a missionné l'Observatoire régional de santé de Bretagne, l'ORSB, pour nous faire ce diagnostic. Alors maintenant, le diagnostic est traduit en indicateur, en tableau de bord, pour passer à l'action. Et la nouvelle équipe municipale qui est sortie des élections, qui est nouvelle, hein, ça, chez nous il y a eu un changement politique, a pris conscience de l'importance du sujet et va passer à un plan d'action. Bon, voilà un exemple très concret qui, d'une prise de conscience, disons, de terrain citoyenne, a abouti à une sensibilisation du politique qui, néanmoins, nous dit on veut bien, mais on n'a pas les compétences pour le faire. Beaucoup m'ont dit, si on va sur ce terrain-là, on va se faire taper sur les doigts. On n'a pas les compétences. L'ARS a répondu, on le sait bien, mais on vous aidera quand même, parce que ça va dans le bon sens. Vous voyez où on en est. Donc, d'où l'importance de légiférer et de réglementer pour que ce qui existe à titre pionnier d'exemples très locaux devienne une généralité. Merci beaucoup. On a une question de Camille. Je ne sais pas si vous souhaitez la poser vous-même, sinon je peux la transmettre. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Super. Oui. En fait, oui. Ma mettez question la, est... Mettez la vidéo, Camille, qu'on vous voit quand même. En fait, j'ai pas. Ok, ça marche. Je suis désolée pour la caméra, je vais pas pouvoir la mettre parce que j'ai pas assez de bande passante. J'ai déjà du mal à suivre tout à fait la réunion. Je me présente. Moi, je travaille à Bio en Hauts-de-France. Du coup, c'est une association qui essaye de développer la bio en Hauts-de-France. Je suis là à la fois en tant que salariée de cette association, mais aussi personnellement pour essayer de voir justement comment relier les enjeux santé et environnement, puisque Bio en Hauts-de-France, c'est à la fois tous les enjeux agricoles, mais aussi les enjeux alimentation. Je m'interrogeais sur les échelles auxquelles peuvent être mises en place tous ces plans d'action, en fait. Mais bon, au final, vous y avez un peu répondu au fur et à mesure des exemples que vous avez énoncés. Et je me demandais, en fait, s'il y avait une échelle idéale pour mettre en place ce type de réflexion. Et ensuite, la suite de ma question, c'était comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de registres santé qui soient disponibles actuellement. Ça m'a beaucoup étonnée quand vous l'avez évoqué dans vos interventions. Très bien. Je vais d'abord, mais je vois que Gilles a levé la main déjà. Donc, Gilles, tu peux peut-être répondre dans un premier temps. Oui, j'avais vu la question sur le chat et donc je souhaitais intervenir pour y répondre. La bonne échelle, moi qui suis plutôt dans le domaine de la biodiversité, c'est celle d'un écosystème. C'est quoi? Bah, la Camargue, c'en est un clairement, la baie de Somme, mais le bassin minier en est un. C'est-à-dire une entité culturelle, sociologique, mais aussi en termes de biodiversité pour agir. Mais une fois qu'on a dit ça, qui peut prendre les décisions? Et c'est là où il faut revenir à l'échelle institutionnelle. Et moi, je suis citoyen, je regarde quelle est l'échelle institutionnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a l'État, les régions, les départements, les EPCI et les communes. Mais les récentes lois ont fait faire des évolutions majeures. Les départements ont perdu beaucoup de compétences, notamment dans le domaine de l'eau. Les communes ont perdu beaucoup de compétences. Aujourd'hui, clairement, en termes de planification, ce sont les régions qui ont le pouvoir, qui peuvent faire des schémas régionaux d'aménagement et de développement. Ce sont au niveau des régions qu'il y a des contrats de plan passés avec l'État. C'est donc bien à ce niveau qu'on pourrait avoir une vision globale sur l'Occitanie, sur les Hauts-de-France, par exemple, pour se donner des éléments d'agir. Je vais vous donner le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, où l'Observatoire régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes, avec un bureau d'études du ministère de la Transition écologique et le CEREMA, ils ont pris la région,
et ils ont découpé en 260 bassins de vie, et dans chaque bassin de vie, ils ont croisé les données épidémiologiques, santé, et les données environnementales. Et ça a permis de voir que, bien sûr, un canton rural du côté de Thiers, les enjeux étaient les pesticides et les perturbateurs endocriniens, mais qu'au centre de Lyon, c'était plus la pollution de l'air, le bruit et le plomb qui étaient des enjeux. Et donc, à partir de là, ça a aidé les collectivités à pouvoir passer à l'action, comme à Valence, notamment, qui a passé un contrat local de santé. Donc, la bonne échelle, pas les départements, les régions pour avoir une vision globale. Mais aujourd'hui, le pouvoir opérationnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a été donné depuis 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération intercommunale. C'est eux qui ont la compétence aménagement, c'est eux qui ont la compétence environnement, transport, habitat, urbanisme. C'est donc à ce niveau qu'il faut rentrer la santé, rentrer l'environnement et faire le lien entre les deux. Mais ça n'est écrit nulle part. Et donc, Lilian insiste, j'insiste, il faut que la loi donne officiellement la compétence. Il vous a dit à Lorient, ils sont pionniers, mais jusqu'où? Jusqu'où la responsabilité? Et puis, il y a une incohérence. C'est que le pouvoir de police en matière d'hygiène et de salubrité est resté au maire. Et c'est comme ça qu'un petit maire d'une commune de 200 habitants dans la métropole de Lyon, ce serait à lui de prendre des décisions importantes face aux pesticides? Mais non, puisque la compétence, maintenant, les services, c'est au niveau de la métropole. Donc là aussi, il faut réformer les choses. Mais ça suppose qu'on sache de quoi on parle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Code de la santé publique, le mot santé-environnement n'apparaît pas, n'est pas défini. On vous parle de salubrité des habitations, des milieux de vie de l'homme, d'alimentation en eau. On parle d'évacuation des déchets, on vous parle de lutte contre les nuisances sonores. Le mot santé-environnement n'apparaît que pour les plans nationaux santé-environnement. Et là, on évoque les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques. Vous voyez bien, on ne sait pas de quoi on parle. Il nous faut préciser les compétences. Et donc, moi, je pense que le meilleur endroit, c'est bien les établissements publics de coopération intercommunale, les métropoles, les communautés d'agglo, les communautés de communes. Merci. Je pense que Pierre a levé sa main depuis un petit moment et après… Oui, c'est pour l'autre… Donc, bien sûr, Gilles a parfaitement répondu à la question. Sur l'autre volet de la question, sur les données, on ne comprend pas non plus pourquoi on n'a pas ces données, mais visiblement, les registres cancer qui sont en effet par territoire, hein, peut très bien y avoir sur deux départements aux mêmes similitudes, un seul registre pour deux départements. Hein, pas question de faire département par département, mais c'est spécificité de territoire par spécificité de territoire. Nous a longtemps évoqué l'aspect informatique et liberté. Or, je veux dire, en 1966, on avait déjà des registres canton par canton, et avec les IRIS, qui sont les îlots regroupés pour l'information statistique, la confidentialité des gens n'est pas atteinte. Un espoir. Toujours pareil, il y a des universités d'été, là, vraiment, début septembre, de la Confédération syndicale des médicaux français, et la directrice adjointe de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, est intervenue. Et devant les chiffres présentés, elle nous a dit, nous sommes toujours dans le soin, on rembourse le soin, peu importe le reste, et elle a dit, la CNAM souhaite devenir un outil d'alerte. Et eux, ils ont les chiffres. Hein. Le cancer, c'est une affection longue durée, c'est pas une maladie, c'est une maladie chronique, donc on n'aura pas tout, mais ils ont les affections longue durée, ils appuient sur un bouton, ils ont tous les chiffres. Et donc, c'est l'espoir que ça se concrétise et que la CNAM ne soit pas simplement une usine déficitaire d'argent, mais vraiment un vrai outil d'alerte pour agir plus rapidement. En complément à ce que dit Gilles et Pierre, très brièvement deux choses. Concernant l'échelle, bon, Gilles a parfaitement bien répondu, je l'avais déjà évoqué. En gros, les EPCI, c'est l'existant, il faut savoir s'en servir. D'autant plus que j'insistais sur le fait que les communes, ou plutôt les communautés de communes, doivent se doter de contrats locaux de santé vis-à-vis de l'agence régionale dont ils dépendent. Ceci pour être aidés dans l'action, nonobstant le fait qu'on n'ait pas suffisamment de compétences pour le faire.
et une ARS qui est très investie par l'esprit de prévention, ce qui est quand même le cas en Bretagne, même s'il y a encore beaucoup à faire, l'a dit. Vous n'avez pas les compétences, on le sait, mais on vous aidera à le faire. Hein. Je me répète, mais c'est très important à savoir. Hein. Ça, c'est un retour d'expérience. Et en plus, il y a la démarche et l'aide, disons, administrative ou politique, si je puis dire, mais il y a aussi les sous, l'argent, les moyens. Et là, les ARS peuvent débloquer, suite à un appel à projet, bien ciblé en fonction d'un contrat local de santé, des budgets conséquents pour agir. Ceci dit, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour faire mieux. Hein. On peut même faire mieux et ça apporte beaucoup d'argent avec des économies réalisées sur des dommages qu'il n'y a plus à rembourser, par exemple pour la Sécu, ou qu'il n'y a plus à modifier par des travaux, etc. Hein, voilà. J'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur le fait que le ministère de l'Économie et des Finances doit se sentir très concerné par la prévention sanitaire environnementale. Et nous avons adressé une lettre au ministère de l'Économie et des Finances accompagnant nos cahiers de préconisation, je vous l'ai dit en introduction. Concernant maintenant le registre des pathologies en général et notamment des cancers, pour moi, c'est un scandale qui perdure depuis des décennies. À plusieurs reprises, quand je représentais FNE auprès des ministères sur le sujet de l'épidémiologie, je me suis entendu répondre à plusieurs reprises, à plusieurs années d'intervalle, des registres, mais on a ce qu'il faut et s'il y a des trous dans la raquette, ils ne parlent pas comme ça évidemment, on extrapole. Hein, avec les algorithmes, maintenant, on a fait beaucoup de progrès, on est capable de pouvoir avoir une idée précise de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire à partir de quelques données, ce qui est une aberration totale. Bon. J'ajouterai, je resterai là, que si on avait un territoire français dont les agglos se dotaient de diagnostics locaux santé-environnement pour ensuite passer à l'action, ces diagnostics aideraient justement à compléter les registres épidémiologiques. J'insiste beaucoup sur cette notion-là, hein, car les trous dans la raquette épidémiologique en France sont énormes pour certaines pathologies, pour certains territoires, et les agglos, les communes pourraient concourir précieusement à combler les déficits en épidémiologie. Gilles a demandé la parole, je crois, non ? Il a mis tous ses commentaires dans le chat. Ah oui, c'est un commentaire seul. Il est très actif dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez expliquer vos derniers propos, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que je vous ai parlé d'actes du colloque qui vont bientôt être publié. On vous tiendra évidemment informé, les organisateurs de ces rencontres pérennes, hein, sur la parution de ces actes, parce qu'on espère que vous concourez à diffuser ces retours d'expérience et ces projets. Oui, il y aura surtout aussi un replay disponible, donc on va pouvoir partager le lien pour revivre et voir cet atelier. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je vous dis merci beaucoup pour vos interventions, pour ces partages d'expériences très, très intéressants et techniques. Je voulais dire deux, trois mots par rapport aux rencontres. Donc, on continue demain avec quatre autres ateliers, une sur le Conseil national d'alimentation et comment interagir avec d'autres acteurs. Une autre sur la gouvernance des transitions, une sur la consultation des jeunes à l'échelle internationale, comment faire pour consulter des jeunes au-delà du seul pays, et une dernière aussi animée par France Nature Environnement par rapport à la première CELITECH dédiée à la transition écologique des territoires. Donc, on espère de vous revoir demain dans un de ces ateliers ou l'année prochaine aux rencontres européennes, probablement en octobre 2022. Donc, merci beaucoup tout le monde pour vos questions, pour vos interventions, votre engagement et surtout
Liliane, pour la préparation de cet atelier. Merci à vous de nous avoir invités et pour l'organisation hein, de ces échanges, car il est précieux d'échanger, effectivement, hein, car nous avons des retours d'expérience à faire valoir et à partager. Je pense que très souvent, on se désole du manque d'action et on n'échange pas suffisamment les actions des uns et des autres. Merci, Katharina. Merci beaucoup à vous. Merci Katharina, merci à vous. Merci beaucoup.